sais, je pense, en tout cas, je souhaite, je prie que ce soit la fin de cet embroglio. Et j'ai bon espoir, en tout cas, que le président Gbagbo sera acquitté. Parce que de tous les témoins qu'on a entendus, qu'on a vus passer, aujourd'hui, tout le monde doit être unanime qu'il n'y a aucune charge qui pèse contre ce monsieur. Il faut mettre fin à cette cacophonie. Il faut permettre à Laurent Gbagbo de regagner ses siens. Laurent Gbagbo n'est pas un homme de guerre, bien au contraire. Aujourd'hui, la situation qui plombe la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est la présence de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à La Haye. C'est encore la présence de certains militaires encore en prison ici. Et c'est la présence des autres Ivoiriens à l'extérieur. Je pense honnêtement que ça va sonner le retour de l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire dans ce pays pour que chacun, à quelque niveau que ce soit, puisse participer au développement de ce pays. Ce n'est pas une partie des Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens. Ce n'est pas une partie de la Côte d'Ivoire contre une autre partie de la Côte d'Ivoire. C'est ensemble que les fils de ce pays-là doivent se mettre main dans la main. Je ne pense pas que la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire puisse gêner de quelque façon que ce soit la fin du mandat du président Ouattara. Je pense que la place de Laurent Gbagbo aussi en Côte d'Ivoire est nulle part ailleurs. Ça, les yeux fermés, je vous le dis. J'ai rencontré, depuis qu'il est là-bas en tout cas, à trois reprises, mais les échanges qu'on a eu à des occasions, parce que il faut le reconnaître aussi, moi, j'étais allé principalement voir mon ami, mais le souci quotidien de Laurent Gbagbo à La Haye, c'est le devenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment faisons-nous pour que ce pays soit apaisé? Comment faisons-nous pour que ce pays arrive à faire face aux défis qui se présentent à lui? C'est au président Gbagbo de décider de, si oui ou non, il veut briguer la magistrature suprême de son pays. Et une fois qu'il aura pris la décision, en ce moment, nous autres serons forts de commenter, de décider, de faire autre chose. Mais c'est une décision qui lui revient à lui et à lui tout seul.